Ça s'est passé dans les pays du Nord. Ça s'est passé au sommet d'un fjord. En bas du fjord, il y avait le village, et chaque cheminée du village fumait vers les hauteurs. La fumée des cheminées du village suivait presque un chemin qui montait parmi les rochers jusqu'à la forêt. Mais juste avant d'entrer dans la forêt, il y avait la cabane de Yon. Yon, il était bûcheron. Et il vivait à la lisière de la forêt, dans sa cabane. Et juste à côté de sa cabane, il y avait tout ce qu'il possédait. Il y avait son écurie avec son cheval. Et son cheval, c'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait jamais eu, et c'est tout ce qu'il aurait jamais. Son cheval et sa hache. Et puis un jour, une tempête est arrivée du fond de la mer. Les nuages noirs ont roulé contre la mer jusqu'au fjord, et les vents et les eaux se sont brisés contre les rochers. Dans le village, tout le monde s'est enfermé. Mais dans les hauteurs, le vent qui venait du fond de la mer dévastait la forêt. Et la cabane de Yon, elle craquait, elle tremblait, et Yon, il était dans son lit et il écoutait. Il n'écoutait pas sa cabane, non, il écoutait l'écurie, il écoutait son cheval. Si l'écurie tenait pas, qu'est-ce que son cheval allait devenir? Il a écouté, il a attendu, et puis il a fini par entendre ce qu'il voulait surtout pas entendre. Il a entendu les murs de l'écurie tomber, il a entendu la porte se fracasser, et puis il a entendu son cheval hennir, la corde se briser, et le cheval partir. Alors Yon, il n'a pas hésité. Il a enfilé ses bottes, il a mis sur lui toutes les peaux de bêtes qu'il possédait, et il est allé dans la forêt avec une lanterne. Mais dans la forêt, il reconnaissait rien. Le vent avait jeté des branches, le vent avait même fait rouler des pierres. Il reconnaissait plus. Là, la pierre où il y avait de la mousse d'habitude, elle n'était plus là. Et là-bas, le grand tronc qui lui indiquait le champ de fougères, le grand tronc était tombé. Et puis ce vent, et puis cette pluie. La lumière de sa lanterne n'allait même pas à 1 mètre devant lui, mais il a continué de marcher. Il écoutait. De temps en temps, il entendait hennir là-bas. Mais c'était pas son cheval. C'était une pierre qui tombait. Et puis, il entendait courir là-bas, mais c'était pas son cheval. C'était un tronc qui tombait. Il a avancé Yon dans la tempête. Il a appelé son cheval dans la tempête. Et puis il est arrivé dans un endroit de la forêt où il n'était jamais allé. Il reconnaissait rien. La tempête était tombée, il y avait une brume qui s'était levée, et la brume l'enveloppait. La brume enveloppait la lumière de sa lanterne, et puis la brume enveloppait tous les sons autour de lui. Il n'entendait plus que la nuit. Et puis soudain, plus de forêt, plus de brume. Juste une clairière, éclairée par la lune. Et au milieu de la clairière, il y avait une maison où il y avait de la lumière. Alors Yod, il s'est dirigé vers la maison, et devant la maison, il a trouvé un grand homme bien épais, bien barbu, qui regardait droit devant lui et qui était assis sur un énorme fauteuil en bois. Yon lui a dit « Monsieur, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, mais... « J'ai perdu mon cheval dans la tempête, vous l'auriez pas vu par hasard ?» L'homme l'a pas regardé, il regardait droit devant lui, et il a dit « Va à l'intérieur et demande à mon père, peut-être qu'il l'a vu, lui. »« Merci. » Yon est entré dans la maison, et dans la maison, il n'y avait rien. Il y avait juste une cheminée dans le fond de la maison, et devant la cheminée, il y avait un petit homme, avec une barbe qui tombait par terre et qui était en train d'agiter les flammes et les braises avec une longue tige de fer. Yon lui a dit « Monsieur, bonsoir monsieur, votre fils m'a dit que vous auriez peut-être vu mon cheval qui est parti dans la tempête. Vous l'avez vu ? Demande à mon père qui est derrière toi, il l'a peut-être vu lui. » Alors Yon s'est retourné et derrière lui, il a vu une grande corne. une immense corne qu'on a pour boire dans ces pays-là, qui était clouée contre le mur avec une grande corde en cuir. Alors Yon, il est allé à la corne, il a regardé dans le fond de la corne, et dans le fond de la corne, il y avait un tout petit homme avec une longue barbe qui lui tournait autour des jambes et autour du cou. Un petit homme aveugle, qui avait des grands yeux blancs qui lui tombaient sur les joues. Il était assis dans le fond de la corne, et il souriait. Et Yon lui a dit « Monsieur, monsieur ici, oui, c'est votre fils qui m'a dit que vous auriez peut-être vu mon cheval que j'ai perdu dans la tempête. » « Oui, oui, j'ai vu ton cheval, oui. Oui, je l'ai mis à l'écurie, on l'a bien soigné. Mais dis-moi, tu viens du fjord ?»« Oui, monsieur. » »« Alors dis-moi, les gars du fjord, ils sont toujours aussi forts ?»« Oui, je crois. Moi, un jour, j'ai traîné un tronc, à moi tout seul. »« Serre-moi la main, pour qu'on voit si vous êtes toujours aussi fort. » Alors, Yon... il a retroussé sa manche, il a commencé à passer sa main dans la corne, mais l'autre vieux qui était près de la cheminée lui a attrapé le bras et lui a dit « Non, lui serre pas la main, il va te la tordre et il va te la briser, tiens, donne-lui ça plutôt ». Et il lui a donné la tige de fer. Alors Yon, il a passé la tige de fer dans la corne. Le vieux du fond de la corne a attrapé la tige de fer et il l'a serrée, et il l'a tordue, et il a fini par la briser, et même qu'il l'a serrée, tordue et brisée si fort que du fer fondu est tombé dans la corne. Oh les gars du fjord, c'est plus que c'était, c'est plus que c'était. Mais enfin, va retrouver ton cheval, tu verras, on l'a bien soigné, mais quand tu t'en iras d'ici, ne te retourne pas, tu pourrais avoir du mal à dormir. » Alors Yon, il a dit merci au gars du fond de la corne, il a dit merci au gars de la cheminée, en sortant, il a redit merci au gars du fauteuil, et il est allé dans l'écurie, derrière. Il a ouvert la grande porte en bois, et son cheval était là. C'était pas le cheval qui s'était sauvé dans la tempête, c'était le cheval d'il y avait 5 ans. Tout en muscles, tout en veines, tout en force, bien plus jeune. Et puis, sa robe brillait, sa crinière tombait sur la robe et ils avaient même changé sa bride en nouveau cuir. Alors Yon, il a pris son cheval par sa nouvelle bride, il a contourné la maison avec son cheval, il a remonté le sentier qui mène à la forêt et arrivé à la lisière des bois. Il n'a pas pu s'en empêcher, il fallait qu'il regarde, il fallait qu'il se souvienne de cette nuit, mais quand il s'est retourné, il n'y avait plus de clairière. Il y avait la forêt. Et là-bas, c'était la pierre avec la mousse. Et là-bas, c'était le grand tronc qui mène au champ de fougères. Il la reconnaissait, sa forêt. Il la reconnaissait. Alors, il a mené son cheval à son écurie. Son écurie était en ruine, il restait un poteau. Alors il a attaché son cheval au poteau et il est allé se coucher. Mais il n'a pas dormi, Yon. Il n'a pas dormi. On dort toujours mal quand on réalise qu'on est allé chez les trolls. Demande à mon père, conte traditionnel de Scandinavie, figure dans 7 contes de Trolls de Jacques Cassabois en 2010.